ses amis, ses camarades de classe, ses collègues, ou tous ceux qui étaient près de lui. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Les âmes du membre de sa famille, les âmes de ses voisins. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous allons à Marc chapitre 8, verset 36. Marc chapitre 8, nous lisons le verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que gagnerait et que sert-il à un ministre de la parole ou à un gagneur d'âme de gagner tout le monde? Regardez, un ministre qui rassemble les gens dans la communauté, mais il ne leur prêche pas la vérité de la parole. Pensez à un prédicateur qui rassemble toute la ville et la ville court après lui. Il peut garder cette ville comme son assemblée parce qu'il est ami des pécheurs. Il ne va pas leur prêcher la vérité de la parole de Dieu afin que les gens fassent de lui un homme populaire. Et que sert-il à un ministre de gagner le monde entier? Oui, et il gagne le monde, tout le monde. Et en faisant cela, il compromet et perd son âme. Qu'allait-il gagner? Il y a des gens qui se concentrent sur le fait de gagner de l'argent, d'avoir ceci et cela. Il voudrait de l'argent ici, des demeures ici. Que sert-il à un homme d'affaires, à un commerçant, s'il est en mesure d'avoir tous les biens de ce monde et perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous allons à Luc, chapitre 9, verset 25. Luc 9, verset 25. Qui dit? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Il y a des gens qui ne cherchent que des avantages, des bénéfices. Qu'est-ce que je peux en tirer comme profit? Quel est mon avantage en cela? Et si vous ajoutez les avantages dans la politique, les avantages dans la prospérité, les avantages de la popularité et dans toutes choses, et que servirait-il à vous de gagner le monde entier dans le processus? Vous perdez votre âme, vous perdez votre but, vous perdez votre mémoire, vous perdez votre futur, vous perdez que vous êtes détruit, vous êtes renversé. Marc, Luc nous a enregistré tout ce qui nous donne la chose principale. C'est bon pour moi de courir après les âmes, évangéliser, mais d'abord, il faut que je pense à mon âme. Suis-je sauvé? Est-ce que je continue dans ce salut, les lieux de mes visites, les contacts que je fais et les connexions que j'ai dans ma vie? Est-ce que tout cela ôte la plénitude de la parole de moi? Et s'il y a quelqu'un de prospérité, de gain et des avantages et des promesses que la promesse, les avantages de la promesse que la personne me donne, est-ce que tout cela me distrait et me fait dévier, me dissuader de l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je suis totalement accroché au progrès? Est-ce que je suis totalement au fait de rassembler les gens et gagner le monde? Je veux être le ministre numéro un, le numéro un dans l'église, le ministre qui veut rassembler tout le monde. Et
il y a des gens, je veux que faire tout ceci pour que les gens m'écoutent, que je fasse, abaisser ce standard. Que servirait-il à un ministre, à un pasteur, de gagner le monde entier et qu'il perde son âme? Il se détruit et il est jeté. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il assujettit son corps, afin qu'après avoir prêché aux autres, qu'il ne soit pas lui-même rejeté. Je prie que nous ne soyons pas rejetés. Lorsque nous prêchons, lorsque nous œuvrons, lorsque nous prêchons, alors nous devons veiller sur nos âmes, afin que nous ne périssions pas. Maintenant, la personne la plus proche de vous, votre femme, votre mari, vos enfants, vous pensez à vos enfants de réussir leur vie. Comme mon père disait que là où il n'est pas allé, il veut que je sois là. Et l'instruction, l'éducation qu'il n'avait pas, il veut que j'aie cela à tout prix. Dieu merci, avoir l'éducation n'a pas ôté mon âme. Que sert-il à un père, à une mère, si l'enfant gagne le monde entier, toute l'éducation du monde entier, mon enfant doit être là. Mon enfant doit être là. Et si l'enfant de quelqu'un doit être là, mon enfant doit être là. Qu'est-ce que cela doit vous profiter? Que sert-il à votre fils de gagner toute l'éducation, toute la position, la popularité du monde et que l'âme de cet enfant soit perdue? Il y a des gens qui ont de grandes ambitions pour les membres de leur église. Et je veux que les membres de mon église aient cette place dans la politique, cette place dans les affaires et ce lieu élevé, la promotion là-bas. Et certains disent que peu importe le prix à payer, quel que soit ce que nous allons faire pour que nos membres soient là, que l'un de nos membres soit ici, l'un de nos membres soit là, nous allons payer le prix. Ben, on peut compromettre un peu et ne pas continuer à souligner ce qu'on souligne afin que les gens sachent que nous sommes pour eux, que nous voulons les servir. Et que sert-il à vous que les membres de l'église doivent gagner le monde entier, un ici, un là, et que les membres perdent leurs âmes? Alors, et que donnerait, alors que qu'est-ce que vous donnerez pour l'âme de ses membres, la passion pour votre âme, la passion pour les nouveaux convertis, la passion pour les membres de l'Église? Comme nous le prêchons, on n'est pas après leur argent, ni leur position, ni ce qu'ils ont. Nous sommes après leurs âmes, afin qu'ils soient sauvés. Voici la passion que le Seigneur exige de vous, de moi, la passion pour les âmes, que nous courions après les âmes, que nous les prêchions, que nous prions pour eux, que nous jeûnons pour eux, que nous fassions tout afin qu'ils sortent du péché, qu'ils viennent à Christ le salut et qu'ils soient gardés dans le salut. La passion est très importante. La passion produit des gens passionnants. Lorsque vous avez la passion, vous allez voir comme une personne de passion. La passion a poussé Moïse à délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte. La passion a fait que toute la récompense qu'il devait avoir dans le monde parce qu'il est passionné. Laissez mon peuple aller. Et la passion a poussé David à dire que cet incirconcis, je vais le détruire. Parce que les Philistins ne doivent pas détruire les enfants d'Israël. Le roi lui a dit que tu ne peux pas le faire. Son frère lui a posé la question, mais que fais-tu ici? C'était la
passion qui a poussé David à se focaliser, disant que je dois délivrer ma nation de la main des Philistins, les ennemis. Pensez à Néhémie, c'était un homme passionné qui a oublié tout le luxe du palais et toute la vie au palais pour courir vers son peuple, jeûner, prier et chercher l'occasion de les atteindre. Ouais, le Néhémie passionné a tout oublié afin que la gloire de la nation puisse revenir. Pensez à un homme comme Jérémie, le prophète pleurnicheur. Et c'est un homme de passion. Pensez à Ézéchiel qui a supplié que les enfants d'Israël soient sauvés. Ouais, c'est la passion qui a poussé l'apôtre Paul à chercher le salut des perdus au grand prix, au grand sacrifice. Vous vous rappelez sa prière? Il dit que je souhaite que je sois anathème, séparé de Christ, et que mon peuple, ma nation soit sauvée. C'est la passion qui l'a poussé à dire que sa vie n'est rien qui lui est importante, que d'être passionné et atteindre les gens pour qu'ils soient sauvés. C'est la passion que le Seigneur exige de nous. Il y a des gens sans passion. Des gens froids. Ils peuvent voir les gens brûler, mais ils sont froids. Ils voient les gens périr, et ils sont froids. Ce à quoi ils visent dans la vie, c'est le numéro un pour eux. Ils sont froids. Quand il s'agit de sauver les âmes, ils sont tièdes. Même au sujet de leur âme, s'ils ont des révélations que Christ viendra ce soir, ils seront toujours tièdes. Ils vont dire, oui, cela peut ne pas arriver. Ils diraient même si cela arrive, oui, j'espère, je crois que je serai sauvé. Ils ne sont pas sûrs et ne veulent rien faire pour s'assurer. Les gens sans passion sont insensibles à la situation. Il y a beaucoup de choses autour d'eux. Les défis autour d'eux ne vont pas leur permettre de s'efforcer, de prier, de jeûner et pour dire que ces âmes ne doivent pas périr. Les gens sans passion, comment allez-vous les décrire? Ils sont froids, ils sont tièdes, ils sont insensibles, ils sont égocentriques. S'ils sont après l'argent, c'est la seule chose qui fait leur passion. Mais au sujet des âmes, jamais. Ils pourraient être dans une église comme la nôtre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. S'ils sont sans passion, ils sont égocentriques. Et ils sont sans souci, insouciants. Oui, les gens n'ont pas le salut. Oui, ils ont leur Bible à lire. Suis-je moi? Est-ce moi qui vais courir après eux, leur prêcher et qu'ils soient sauvés? Après tout, ils me disent qu'ils vont à l'église. J'espère que leur prédicateur leur prêchera la bonne nouvelle. Et leur sang sera redemandé à ces prédicateurs. Ce sont des gens nonchalants. Ils n'ont aucun souci pour ce qui se passe aux autres. Ils sont indifférents et ils sont sans passion. Et je prie que nous nous réveillons, que nous nous levions. Si vous pensez à ceci, les gens qui font l'évangélisation matinale au départ, des années passées, ils ne le font plus. Les gens qui prêchent dans le bus des années passées, ils ne le font plus. Les gens qui frappaient à des portes et les gens les identifiaient aux témoins de Jéhovah parce qu'ils étaient passionnés, ils ne le font plus. Les gens, que quand ils voient quelqu'un, ils disent « Bonjour monsieur, bonsoir », la première chose à sortir de leur bouche, c'est de dire « Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu te prépares pour l'avènement de Christ ?» Pour toute discussion, ils vont changer cela pour gagner des âmes. Ils ne le font plus. Aujourd'hui, ils sont sans passion. Le monde a ôté leur passion. Et les choses de ce monde ont ôté leur passion, leur désir et l'urgence de sauver les âmes est ôtée de leur vie. Et s'ils font quelque chose,
c'est pour rassembler les gens et afin que notre église soit élargie, grande, pour que plusieurs personnes remplissent ce lieu, mais pour que les gens soient sauvés, qu'ils aient la repentance, la foi en Christ, ils ont tout oublié. Je prie que Dieu nous réveille, que le Seigneur me réveille, qu'il vous réveille, qu'il réveille chaque membre et que tous nos pécateurs soient réveillés au nom de Jésus-Christ. La passion pour les âmes. Nous allons voir trois choses. Premier point, c'est la passion pour un avantage inestimable. Deuxième point, c'est le danger des âmes périssantes. Troisième point, la prudence de sa poursuite passionnante. Et ce que nous avons, c'est que nous ayons un cœur, l'esprit de Christ implanté en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Nebuchadnezzar était un homme. Lorsque le cœur d'un animal était implanté en lui, il a mangé de l'herbe comme un animal. Il est resté dans la forêt comme un homme. Il a fait tout comme les animaux parce que c'est de l'abondance du cœur, c'est du cœur que toute la vie d'un homme est issue. Donc, du cœur, il agit comme un animal. Lorsque le cœur de Christ, l'esprit de Christ, l'attitude de Christ, alors lorsque tout cela est implanté en nous, nous aurons la passion et la poursuite et le pouvoir, la puissance et le progrès du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chercher cela. Nous allons demander cela. Nous allons prier pour cela jusqu'à ce que cette poursuite de passion de Christ soit implantée dans chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'amen d'une personne sans passion. La prudence de sa poursuite passionnante. Numéro 1, c'est la passion pour un avantage inestimable. Retournons à Marc chapitre 8 et je lis verset 35. Marc chapitre 8, nous lisons le verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et puis il nous dit, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Comme on voit le verset 35, c'est dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il y a des gens que tout le souci qu'ils ont, c'est le souci pour se préserver. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas perdre ma vie. La vie est précieuse. Et les gens d'aujourd'hui sont méchants et dangereux. S'il va leur prêcher, est-ce qu'ils vont lui faire du mal? Ils n'apprécient pas. Et les gens d'aujourd'hui les abordent comme ce qu'ils ont ne leur suffit pas. S'il leur dit que leur religion est sans puissance, ils ne peuvent pas sauver leur âme, ils vont te sauver. Alors pour préserver la vie, je ne vais pas leur dire la vérité non voulue. Je ne vais pas leur dire la vérité désirable. Oui, je sais, la vérité à leur dire. Mais si je leur dis cela, je deviendrai non populaire. Mais c'est dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il y a des gens qui ont des amis et qu'ils gardent et qui discutent de bonnes choses avec eux et jamais ils ne leur disent, mon ami,
Je vais te poser une question que je ne t'avais jamais posée. Es-tu réellement sûr? Et si si tu meurs aujourd'hui, iras-tu au ciel? Sûr? Oui. Comment es-tu sûr que tu es sauvé? Et mon ami, je vais te dire quelque chose. Cela ne te suffit pas pour aller au ciel. Il y a des gens qui manquent de courage parce qu'ils sont si peureux en parlant à leurs amis. Ils ne peuvent pas faire sortir la vérité pour leur dire que si tu vas aller au ciel, voici ce qu'il faut. Vous voyez, il y a des gens qui ont leurs enfants dans cette église et ces enfants-là suivent la voie de la perdition, la voie qui mène à la destruction, et ils sont très peureux et très craintifs, en sorte qu'ils n'arrivent pas à dire à leur enfant que mon enfant, nous serons séparés de toute éternité. Si tu continues dans cette direction, tu périras. Ils ne peuvent pas le dire. Ils ont vraiment peur de s'adresser à leurs enfants de cette manière. Et si je parle comme ça, je vais perdre le respect et l'appréciation. L'enfant ne va plus m'honorer. L'enfant ne va plus me respecter si je parle de son âme. Et c'est dit ici que car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Le Seigneur veut qu'on sorte de la coquille, qu'on vive pour le salut des âmes. Que si nous avons une connexion avec quelqu'un, que ce soit la connexion ou le privilège de parler du salut. Et c'est dit. Mais celui qui perdra sa vie, celui qui perdra son ami, son voisin, sa popularité, et celui qui perdra quelque chose, et celui qui perdra toute opportunité, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle que nous prêchons l'évangile, et que celui qui annonce l'évangile est à tout prix, à tout moment, c'est dit que celui-là sauvera son âme. Et nous aurons la passion pour les âmes. Je ne vous ai pas entendu. Voyons Ézéchiel 18, verset 4. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils, comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette mort-là voudrait dire la séparation d'avec Dieu de toute éternité. Vous voyez, lorsque nous parlons de la mort physique, nous savons que les saints meurent, les prédicateurs, les pasteurs meurent, les ministres meurent, de bonnes personnes meurent, les personnes pieuses meurent, mais ces personnes, elles vont au ciel. Mais quand le pécheur, l'incroyant, les méchants meurent, et ces personnes vont en enfer et sont séparées de toute éternité d'avec Dieu. Cela parle de la séparation d'avec Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voyons le verset 27. 27 dit, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la justice et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Cela veut dire que l'âme là va vivre avec Dieu, va vivre dans la justice et va vivre avec le Seigneur. Parce que l'âme là s'est repentie, parce que l'âme là est revenue à Dieu, parce que l'âme là est changée, l'âme là est venue au Seigneur et a servi le Seigneur pour le reste de sa vie. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous, qu'il y ait un changement, que vous détourniez de tout ce que Dieu est, de tout péché que Dieu condamne, de tout ce qui fait que Dieu se met en colère. Et
et afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. 38-31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Corps de transgression, toutes vos transgressions. Il ne faut pas oublier cela. Nous ne devons pas, sinon, tomber dans le piège de venir à Christ. Cela ne suffit pas. S'ils viennent avec leur péché, ils ne sont pas venus. Si les gens viennent avec l'incrédulité, ils ne sont pas venus à Christ. S'ils viennent avec la superstition, ils ne sont pas encore là. S'ils viennent sans délaisser leur iniquité et leur transgression et leur péché, ils ne sont pas réellement venus. C'est dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Il veut que nous soyons totalement tournés vers le Seigneur et que nous vivions. Actes chapitre 2. Verset 37, Actes, chapitre 2, nous lisons le verset 37, la passion pour un avantage inestimable, le plus grand avantage que vous pourrez avoir sur cette terre, c'est l'avantage d'avoir gagné des âmes, que les âmes viennent connaître le Seigneur au travers de vous, que les gens sortent des ténèbres pour venir à la lumière, qu'ils sortent de la méchanceté pour venir à la grâce de Dieu et à la justice de Dieu, pour que ces personnes soient ajoutées et écrites dans le livre de vie. Actes 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Avez-vous jamais prêcher de la sorte que les gens à qui vous prêchez sont devenus très conscients de leur péché, de leur méchanceté et du jugement de Dieu qui plane sur eux. Que les gens sont vivement touchés, les gens ont le cœur vivement touché et dire à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose. Ils avaient tué le prince de la vie. Ils ont contredit le Seigneur. Ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils avaient fait le mal irréparable. Maintenant, Pierre, l'apôtre, a proclamé, a prêché et a pénétré leur cœur avec la vérité de ce qu'ils avaient fait. Maintenant, ils se sont réveillés et leur conscience les a aiguillonnés. Ils ont dit, « Hommes et frères, que ferons-nous ?» Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Voici ceci, c'est après le calvaire. « Repentez-vous. » Ceci est arrivé après la résurrection de Christ. Repentez-vous. Alors, sachez-le que c'est ceci, c'est après que Jésus avait dit, c'est accompli. Il a payé le prix de leur salut. Cela ne supprime pas le fait de se détourner du péché et de l'iniquité. Repentez-vous. Dans notre prédication, si on ne permet pas de dire aux gens, repentez-vous. Si nous prêchons et qu'on a peur de dire aux gens de se repentir, si je dis ça, on dira que c'est la doctrine de la vie profonde. On ne veut pas écouter cela. Si dans votre présentation de l'évangile, vous dites, je suis venu avec la bonne nouvelle, laquelle Jésus est mort pour vous. Ce n'est pas la fin de la bonne nouvelle. Ils doivent reconnaître, admettre que Jésus a payé le prix. Qui veulent se repentir, sortir de leur péché et croire au Seigneur Jésus-Christ et rester éveillés, s'éloigner de leur péché. C'est dit que repentez-vous et que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Chacun de vous soit baptisé. Il y a des gens
quand quand il y a des gens, quand ils prêchent aux gens plus âgés qu'eux, plus instruits, plus riches qu'eux, ils prêchent au haut cadre, alors avant qu'ils ne finissent, avant qu'ils ne terminent une phrase, ils vont dire, s'il vous plaît, monsieur, pardonne-moi, monsieur. Ils vont dire, excuse-moi, monsieur. C'est comme ils supplient et la personne que je ne suis pas qualifié de te parler. Ouais, je ne dois pas utiliser le mot là devant toi. Je ne vais pas te dire de te repentir. Même si te dis de te repentir, s'il te plaît, pardonne-moi. Si vous allez prêcher la parole, vous ne vous présentez pas là pour vous-même. Vous représentez Christ. Vous êtes là pour Christ. Vous vous tenez à la place de Christ. Alors vous êtes son représentant. Et voici ce qu'il a ordonné, que vous disiez cela sans aucune excuse, sans aucun regret, sans aucune préméditation de vouloir transformer ou changer le message à la personnalité. Non, vous leur dites la vérité. Repentez-vous et que comme d'entre eux, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Était-il blessé? Non, il ne l'était pas. Quiconque voudrait être sauvé ne sera pas blessé par l'Évangile. Ouais. Était-il fâché? Non. Quiconque veut aller au ciel ne va pas s'irriter. Mais ont-ils dit, quitte ici, pourquoi tu nous dis cela? Celui qui veut aller au ciel ne va pas faire cela. Voilà le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous, secourez-vous, éloignez-vous, sortez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole, ils étaient contents que quelqu'un puisse leur révéler la parole. Ils étaient contents que quelqu'un puisse se lever pour leur dire que voici la voie à la lumière au ciel, marchez-y. Si vous êtes une âme sincère et que vous voulez aller au ciel et vous êtes venu à l'église, vous êtes ouvrier dans l'église, c'est que vous allez connaître la vérité, que vous allez aimer la vérité, que vous allez pratiquer la vérité, que vous allez garder votre âme sauvée. Et si vous êtes une personne passionnée, que tout ce que vous voulez connaître, c'est la vérité, et vous allez donner l'évangile aux autres afin qu'ils soient sauvés. Vous serez très content que quelqu'un soit vraiment audacieux pour vous le dire. Vous n'allez pas sinon rechigner le pasteur ou l'évangéliste. Vous n'allez pas parler mal de lui, que il m'a regardé face à face, que le pasteur ou l'évangéliste m'a tuaté pour dire que repens-toi, j'aime la Bible, mais je n'aime pas un message direct comme ça. Au fait, il a illustré le message et l'illustration là m'a martelé la tête. C'est ce que je n'aime pas. D'accord? Moi, j'aime le message superficiel. J'aime une prédication qui n'est pas poignante. J'aime un message qui ne parle pas à mon âme. Ils ne sont pas pareils. Et c'est dit que, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. C'est vous. Oui, c'est vous. Ceux qui acceptaient sa parole. Nous allons accepter la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. N'allez pas dire que vous êtes gagné au Seigneur et on va vers vous. Vous dites que j'aime mon église, j'aime mon assemblée. Et qu'après tout, j'ai aimé votre parole, j'aime la vie profonde, j'aime votre pasteur, mais
je ne veux pas dire que je vais quitter mon église, ma religion syncrétique. Je ne veux pas quitter la religion des ténèbres. Je ne veux pas quitter la religion familiale et venir pleinement à Christ. Ils ne sont pas nés de nouveau. Lorsqu'ils acceptent la parole de la repentance, la parole de la repentance, et vient, les personnes viennent, et viennent, et ces personnes viennent, elles viennent sans les forcer. C'est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Cela va recommencer. Je dis, cela va recommencer. Et lorsque les gens viennent, et les gens vont réellement venir, et quand ils viennent, ils ne vont pas retourner. Moi, je ne vais pas retourner. Nos convertis ne vont pas retourner. Voyez, il y a des gens, un peu de choses, un peu de fumée les blesse, un peu de persécution les blesse, un peu de malentendu les blesse, et un peu de refus. Je veux faire ceci, non, tu ne peux pas le faire. Donc si je ne peux pas le faire, je retourne à là où je retourne à là où je suis venu. Alors si tu ne peux pas faire cela, il y a trop de restrictions, je ne peux pas rester là où il n'y a pas la liberté pour faire ce que je veux. Voyez, ces gens ne sont pas réellement de convertis. Les convertis sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et se donnent à la parole de Dieu et disent que je loue le Seigneur. Parce que quelqu'un est assez audacieux pour me parler. Lorsque vous écoutez la parole, vous n'allez pas la rejeter. Vous n'allez pas vous en détourner. Voyons Hébreux chapitre 10, 38. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas assez de dire que je me repens et je dois croire. Que je suis sauvé, non par les œuvres de justice que j'avais faites. Je suis sauvé, non, en me changeant. Je suis sauvé parce que Christ est mort pour moi à la croix du calvaire. Et puis, j'ai le regard sur lui comme étant l'auteur, comme le chef et le consommateur de mon âme. Il est le pasteur de mon âme, le berger de mon âme. Et mon juste, tu es justifié. Tu crois au sacrifice de Christ et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu ne prend pas plaisir en quelqu'un comme Éphraïm qui s'est accroché aux idoles et qui Dieu n'avait plus plaisir en Éphraïm, la personne en qui Dieu ne prend pas plaisir ne peut pas vivre avec Dieu pour toujours. Alors la personne sera séparée de Dieu dans toute l'éternité. Alors si quelqu'un se retire, l'âme de Dieu ne prendra pas plaisir en ce rétrograde. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent, à quoi se retirent-ils? Alors, il se retire sans couronnement, sans ciel. Il se retire, les rétrogrades se retirent à la perdition. Quelquefois, vous rencontrez un rétrograde, vous pouvez parler, vous pouvez dire son caractère, ses paroles et son comportement. C'est un rétrograde. Mais vous le confrontez, dites-moi, mon frère, mais on te connaît, non? On connaît comment tu étais fervent, comment tu étais un homme enthousiaste à servir le Seigneur. Au fait, quand je pense à ta passion, parfois je pense à toi. Je ne sais pas si je vais te voir aujourd'hui, mais la façon dont tu te présentes maintenant, vraiment, je regrette ta vie. Pourquoi tu regrettes? Ah, je vais très bien. Il est retourné à la perdition. Je vais indiquer qu'il va très bien. Il est retourné au rejet, dit qu'il va bien. Il est retourné au mal, à la voie spacieuse qui conduit à la perdition, il dit qu'il va bien. Va-t-il bien? Faut pas l'abandonner. Restez avec lui là-bas. Ouvrez-lui la parole de Dieu. Montrez-lui que tu n'es pas bien pour toi. Tu vas à l'église, tu n'es pas bien pour toi.
s'il ne vit pas selon la lumière de l'évangile que vous connaissez, vous connaissez, tu connais ce sur parfois, tu te connais toi-même, que tu ne vis plus selon la vie ou la lumière de l'évangile que tu avais reçu, tu ne vas pas bien avec toi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour faire quoi? Pour sauver leur âme. C'est la chose la plus importante. Vous croyez au salut de votre âme. C'est pourquoi l'âme est très importante. Et les âmes des gens autour de vous sont très importantes. Au fait, votre âme est la possession la plus valable pour être sauvé, continuer d'être sauvé. C'est votre décision la plus sage. C'est la décision la plus sage. Ce n'est pas au sujet de la carrière. Votre sagesse la plus sage décision, ce n'est pas au sujet des affaires, que je me suis marié à la bonne personne. La plus sage décision, ce n'est rien de terrestre ou de temporaire. Votre plus sage décision, c'est d'avoir votre âme sauvée et garder votre âme sauvée. La vie la plus bénéfique, c'est une vie complètement consacrée à sauver les âmes. Voyez les gens, tout ce que tu veux de ces gens, c'est qu'ils s'offrent à suivre Christ, à se détourner de Satan, de péché, à se détourner du moi, et qu'ils suivent Jésus, notre Sauveur. La valeur d'une âme est plus grande que la valeur des choses matérielles. La valeur d'une âme est inestimable. C'est pourquoi Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Parce que l'âme là a une valeur, a un prix que numéro 1, c'est inestimable. Numéro 2, c'est incommensurable. On ne peut pas mesurer la valeur d'une âme. Vous pouvez mesurer l'argent que vous avez, le nombre de maisons que vous avez dans le monde. Vous pouvez, et sachez combien vous pouvez les mesurer. Même si vous les avez, alors ces choses ne peuvent pas égaler une âme. La valeur d'une âme est incalculable. On ne peut pas le calculer. Et on ne peut pas dire que si je mets ceci, 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 si j'ajoute ceci à cela, et je mets à l'autre côté du plateau de la balance, cela va équilibrer, ça va égaler la valeur de mon âme. Jamais. La valeur d'une âme est inestimable. C'est incommensurable. C'est incalculable. C'est incomparable. Il n'y a rien qui soit sur la terre à comparer à votre âme. C'est pourquoi si vous courez après quelque chose et que vous délaissez votre âme, vous abandonnez le christianisme derrière vous, vous abandonnez votre salut, alors vous avez pris une décision insensée parce que la valeur de votre âme est incomparable. Numéro 5, la valeur de votre âme est inchangeable. On ne peut pas dire qu'on fait le troc. Le troc, c'est un système d'échange. Donne-moi ceci, je te donne mon âme. Satan veut prendre votre âme et dit, je te donne la gloire du royaume de ce monde, je te donne le pouvoir, la possession, la position, je te donne ceci, cela. Tu dis non, mon âme est non échangeable. Votre âme est infinie. Cela a une valeur infinie, éternelle, et une valeur d'une éternité pour toujours. Alors, c'est quoi? Vous allez vouloir protéger, préserver l'âme là. Le monde ne pense pas de cette manière. Le monde est aveugle. C'est ainsi. Le monde loue un homme, loue une femme qui est passionnée pour les bienfaits terrestres. On dit que l'homme là est très intelligent. L'homme là est très courageux. S'il poursuit l'argent jusqu'à ce qu'il ait la chose, et il ne démissionne jamais. Je souhaite être comme lui. Je ne vais jamais être comme l'homme là. Je ne vais jamais être comme l'homme. Voyez, l'homme là, voyez, tu ne peux jamais lui dire non. L'homme là, s'il poursuit une femme et dit, cette femme là,
quel que soit l'adresse de la femme là, quelle que soit la popularité de la femme là, quelle que soit la beauté de la femme là, quelle que soit la connexion que la femme a, cet homme, je te dis, il ne démissionne jamais. Et dès qu'il dit, et dès qu'il focalise son attention sur la femme là, l'homme là, il en aura. Alors, il va prendre la femme là. Oh, je souhaite être comme là. Je ne serai jamais comme l'homme là. Et vous? Et les gens qui, que les choses pour lesquelles et ils se tuent, les choses qu'ils poursuivent, les choses, les cieux là, ce ne sont que les choses terrestres. Et le monde aveugle, les loups, les portes au pinacle. Mais ceux qui sont passionnés pour les avantages éternels, ce sont eux qui seront loués par le ciel. Je prie que le ciel me loue. Et vous, je dis, et vous, lorsque vous poursuivez des choses de valeur, des choses qui sont dignes d'être poursuivies, les choses qui ne sont pas échangées, des choses incomparables aux choses de ce monde, le ciel va pleuvoir des louanges sur vous. Alors, deuxième point, c'est le danger des âmes périssantes. Le danger des âmes périssantes. Il y a beaucoup de personnes qui périssent et ils ne savent pas qu'ils périssent et ils se félicitent que j'ai réussi. Ils se félicitent que vraiment je l'ai obtenu. Ils se félicitent disant que je l'ai possédé. Ils se félicitent disant que tu sais, la passion que j'ai, la poussée que j'ai, la poursuite que j'ai, quelle que soit la chose, Je n'ai peur de personne. Je peux prendre contact avec n'importe qui. Et si c'est là que je dois avoir mon prospect, mon progrès, ma prospérité, quelle que soit la chose devant moi, un lion devant moi, je vais l'écraser et j'aurai la chose. Mais ils croient que ça, c'est une bonne qualité. Ils n'ont pas la passion pour leur âme. Ils n'ont pas la passion pour leur salut. Ils n'ont pas la passion pour le salut des gens autour d'eux. Alors, toute la passion qu'ils ont, c'est pour la position, c'est pour la politique, c'est pour les choses de ce monde. Puisse le Seigneur nous en délivrer au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir Luc chapitre 12. Luc 12. Luc 12, verset 16. Luc 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je veux que vous remarquez comme des fois, il disait si je, il ne pensait jamais à Dieu. Il ne pensait pas à son âme, il ne pensait pas à l'éternité, seulement les biens matériels. Y a-t-il des gens qui se disent chrétiens? Y a-t-il des gens qui se disent croyants, qui croient la Bible? Y a-t-il des gens qui se disent membres de la vie profonde, mais qui ils sont la vie profonde, qu'ils vont mourir à la vie profonde, et néanmoins, dans leur planification? Alors, tout est eux-mêmes. Je le ferai, si je le ferai. Et comme ils planifient pour leurs enfants, c'est jeu. Alors, tout est centré sur eux-mêmes. Lorsqu'ils planifient pour quelqu'un, c'est pour les biens matériels. Ils ne sont pas passionnés pour leur salut. Ils ne sont pas passionnés pour le salut des gens qui leur sont chers. Ils ne sont pas passionnés pour le salut des gens dans leur église locale. Verset 18 dit, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange,
tout ce qu'ils peuvent dire à leur âme dans les ténèbres, leur âme qui n'a pas de salut, leur âme qui est sous la culpabilité, la condamnation, mais leur âme est entourée des fruits, des moissons du champ et de l'argent qu'ils font, leur bien est environné de choses matérielles. Et je dirais à mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, dites-le-moi. Mais Dieu lui dit, dites-le-moi. Vous pourrez être cette personne insensée. Si vous vivez comme une personne insensée pour les choses matérielles, vous pourrez être cette personne insensée lorsque vous vivez comme une personne insensée pour tous les membres de votre famille. Tout votre souci pour eux, c'est de réussir leur vie et ne pas aller au ciel. Vous pourrez être cette personne insensée, vous abandonnez l'œuvre de Dieu, vous abandonnez le fait d'atteindre les âmes et les amener dans le royaume. Et vous ne voulez que vous les rassemblez pour votre gain matériel. Vous pourrez être cette personne insensée. Vous vivez comme une personne insensée. Vous mourrez comme une personne insensée. Si vous ne pensez pas à votre âme, si vous ne planifiez pas pour votre âme, si vous ne faites pas tout, que votre âme ait une place sécurisée dans le royaume de Dieu. Et Dieu lui dit, insensé, que ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors. Il en est ainsi de celui qui rassemble des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'argent ne fait pas de l'homme riche parce que les devises de cette terre ne sont pas dépensées au ciel. Les châteaux de ce monde ne rendent pas les gens riches devant Dieu. Alors, ces belles maisons de la terre ne sont que du mortier et ces choses ne sont pas connues au ciel. Les diplômes devant Dieu, les diplômes n'enrichissent personne parce que même si ces diplômes sont ensevelis, sont enterrés avec l'homme, à la mort, les termites vont tout ronger, ces diplômes n'iront pas au ciel. J'ai cela, la position politique ne fait pas d'un homme un riche devant Dieu. Même si vous contrôlez tout le monde entier et vous avez l'autorité sur le monde entier, cela ne fait pas d'une personne riche devant Dieu. Parce que toutes ces choses, le royaume de ce monde, ces choses ne sont pas transférées au ciel. Donc, c'est dit que il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. On voit le danger des âmes périssantes. On a vu que Matthieu, Marc, Luc en ont parlé. Ah ouais. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdra son âme? Matthieu a mentionné le monde entier et puis Marc a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Marc a mentionné cela et perd son âme. Luc aussi a mentionné cela que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Les trois ont mentionné le monde entier. Gagner le monde entier, numéro un. C'est un gain improbable. Vous n'êtes pas la seule personne à gagner le monde entier. Ce n'est pas possible pour vous de gagner le monde entier et gagner tout l'argent, les devises dans la banque de notre pays, les devises dans la banque de l'autre pays, les devises dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. C'est un gain improbable. Néanmoins, il y a des gens qui ne voient pas cette improbabilité et courent après le miracle de ce monde. Deux, c'est un gain non permanent. Ouais.
Il y a des gens qui ont quelque chose aujourd'hui, demain ils perdent cela. C'est un gain temporaire. Il y a des gens, ils ont quelque chose aujourd'hui et puis l'économie du monde change demain et ils sont perdus. Et c'est un gain qui est scandalisant. Cela vous empêche de ne pas courir aussi vite que vous le voulez. Parce que le poids du monde entier que vous avez gagné est sur vous. Numéro 1, un gain improbable. 2, c'est un gain non permanent. 3, c'est un gain scandalisant. 4, c'est un gain emprisonnant. Lorsque vous gagnez beaucoup et vous avez assez, vous vous emprisonnez parce que vous dites que plus j'ai de l'argent, plus j'ai des ennemis, plus vous voulez la protection et vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas aller là-bas, cela vous emprisonne. Vous ne pouvez pas parler aux gens à mon niveau, selon mon honneur, avec ce que j'ai réalisé. Comment puis-je aller dans la rue et saluer à quelqu'un? On dirait, mais tu es le plus riche de la ville, tu es le plus riche de notre pays, tu es le plus riche de l'État, tu es emprisonné. Ce gain est un gain emprisonnant. Non seulement ça, c'est un gain écrasant. Cela vous détruit. Le gain vient et puis au-dedans de vous, et alors au-dedans de vous, et vous êtes explosé. Vous ne pouvez pas garder la chose là. C'est un feu qui brûle en vous et c'est un gain appauvrissant. Cela vous rend pauvre. Vous êtes pauvre dans votre âme, dans votre pensée. Alors vous pensez comment la chose là va continuer à évoluer. C'est un gain impropre, malpropre, inapproprié. Alors, pourquoi ne pas penser que Seigneur, je veux que mon âme soit sauvée. Parce que si je dois gagner le monde entier, mais à quoi cela me sert-il si je perds mon âme et que je le perds et je la perds et que je sois rejeté? Une telle perte. Et si quelqu'un gagne le monde entier et qu'il perde son âme et qu'il est jeté, numéro 1, c'est une perte irrécupérable. C'est comme vous versez de l'eau par terre, on ne peut pas encore reprendre l'eau qui est versée par terre. Lorsque un œuf tombe de votre main, tombe par terre et se casse, vous savez qu'on ne peut plus reprendre tout l'œuf. Oui, ça c'est irrécupérable. Pourquoi ne pas penser à votre âme? Si votre âme devrait périr, si votre âme devait rater la gloire de Dieu, si votre âme devrait rater le salut et que le Seigneur prononce sur le salut que perdu pour l'éternité. Ça c'est une perte irrécupérable. 2, c'est une perte irremplaçable. Quelqu'un perd son âme. Quelqu'un perd son âme. Si vous perdez une voiture, vous direz, mais ça, c'est perdu dans l'accident. J'achèterai une autre voiture. Si vous perdez un bien, vous allez dire que j'en aurai un autre. Mais c'est un temps. Mais lorsque votre âme est perdue, c'est irremplaçable. C'est perdu et c'est perdu pour toujours. Numéro 3, c'est une perte irréversible. La personne a perdu quelque chose. J'ai perdu mon occasion lorsque j'étais plus jeune. Mais maintenant, je me réveille et je détermine. Je prends la résolution d'avoir l'éducation que je n'avais pas. Peut-être que tu peux le faire. Mais j'ai perdu cette occasion à l'époque-là. Mais maintenant, je suis plus sage. Maintenant, je suis plus éveillé. Je vais avoir cela. Peut-être vous pouvez le faire. Mais pour votre âme, une fois que votre âme est perdue, il n'y a pas eu seconde chance. Une fois que vous dépassez la ligne-là, c'est une perte irréversible. 4, c'est une perte irréparable. Vous perdez votre âme, il n'y a rien à réparer, il n'y a rien à faire. 1000 ans en enfer ne va pas réparer la perte. 1000 ans en enfer, 10 ans en enfer, 1 million d'années en enfer ne va rien réparer. C'est une perte irréparable. 5, c'est une perte irréfutable. Tu ne peux pas me dire que non. Ton âme ne peut pas être perdue comme ça.
Le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé de l'histoire de l'homme riche qui est allé en affaires et dans la flamme de feu, il était dans le tourment. Il a dit qu'il a besoin d'une goutte d'eau que Père Abraham envoie Lazare de prendre, de mettre son doigt dans une de l'eau pour rafraîchir son âme. Et c'était vraiment une perte irréfutable, c'est réel. 6. C'est une perte irresponsable. Vous voyez, parfois, on est imprudent. Et la chose là qui est perdue ne doit pas être perdue. Vous connaissez mieux que cela. Vous savez que votre âme est importante. Vous savez que Jésus est mort pour vous. Vous savez que quel que soit l'état de vos péchés, quel que soit le niveau de vos péchés, vous pouvez être pardonné. C'est le fait de vous lever, venir à Christ, vous repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ et puis vous accrocher à sa croix que je ne te laisserai point aller, je dois être sauvé. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne l'avez pas fait. Si vous êtes perdu, même Satan va vous dire que tu es irresponsable. Les démons vont vous dire que vous êtes irresponsable. Et mais tous les gens qui sont condamnés en enfer pourraient vous dire que toi, tu étais là, non? Je crois que tu étais dans la vie profonde. Et l'homme là a prêché de tout son cœur. Et l'homme là est allé de la Genèse à l'Apocalypse. L'homme là a prêché de tout son cœur. Et l'homme là a pleuré en prêchant. Il a crié en prêchant. Il t'a appelé, t'a joité en prêchant. Et tu es perdu. Tu es irresponsable. Ouais, c'est une perte irresponsable. Numéro 7. C'est une perte irrémédiable. Il n'y a pas de remède. Perdu à toujours. Père Abraham envoie Lazare à mes 5 frères dans le monde et qu'il leur prêche afin qu'ils ne viennent pas à ce lieu. Père Abraham a dit non, je ne vais pas le faire, ça ne peut pas arriver. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va là-bas et leur parle, ils vont se repentir. Père Abraham a dit, tu sais quoi? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas sauvés. Ils ne se repentiront pas lorsque quelqu'un des morts ici va vers eux. C'est une perte irrémédiable. Je prie que votre âme ne soit pas perdue. Mon âme ne sera pas perdue. Je ne serai pas perdu. Vous ne serez pas perdu au nom de Jésus-Christ. Vous savez, s'il y a quelqu'un là-bas, que tu comptes l'argent, plus les choses terrestres, et comme de grandes choses, et cela t'a éloigné de l'église, cela t'a ôté du service parfois. J'entends les gens qui disent que je vais à tel lieu. Tu vois pourquoi tu vas là-bas? Qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Il y a beaucoup de soucis ici. Il faut que, où vas-tu? Que je vais à tel lieu. Est-ce que nous avons l'église là-bas l'église qui croit à toute la Bible, aux doctrines, ce qui va t'aider à tenir pour que ton âme ne soit pas, que ton âme soit sauvée, que tu ne perdes pas. Que tu ne te perdes pas. Non, je ne pense pas à cela maintenant. Je vais sortir d'ici et aller à ce lieu là-bas. Mais vous pourrez découvrir que vous n'êtes pas sage. Vous pourrez découvrir que vous avez oublié votre âme. Vous avez abandonné votre salut derrière vous. Vous avez abandonné l'occasion derrière vous. Et puis, vous êtes parti. Je prie que vous reveniez. Pour certains, ils disent que je ne peux pas imaginer cela. Avoir ma femme dans un tel lieu. J'aime l'église, j'aime la Bible, mais regardez la communauté, regardez ceci et cela. Alors, je peux supporter, mais j'envoie ma femme à l'autre côté. Oh, et mentionne le nom. Et que est-ce un lieu où ils vont écouter la parole
Non, dit lieu de, la, de Dieu, ah non, je ne suis pas sûr, mais tout mon souci, c'est sa condition physique. Soyez sage, soyez sage. Voilà. Ne devenez pas une personne qui prend des décisions sans penser aux âmes, à, sans penser à l'âme des hommes. Parfois, les pasteurs disent que j'invite telle personne de venir prêcher afin qu'il m'aide. Parce que leur nom peut rassembler des foules et vous leur demandez, es-tu réellement sûr que le peu, le petit que tu as bâti, qu'à leur arrivée, ils vont fortifier ce que tu as bâti ou bien ils vont dire des choses pour détruire ce que tu as fait. Parce que j'ai vu l'homme là sur YouTube, je l'ai vu sur Twitter, sur l'Internet, je sais que l'homme là peut parler, je sais que l'homme là peut exciter des gens, mais il peut aussi confondre les gens. Mais je ne suis pas presque là. Peut-être il va confondre certaines personnes, mais il sait qu'il va rassembler des foules. Alors il cherche des foules et il oublie que l'âme, que votre âme est très importante et les âmes des membres de votre église, c'est important. Je prie que vous soyez sages. Je serai sage. Je serai sage pour moi-même et je serai sage. Pour les membres de l'église, je serai sage. J'ai perdu ma foule. Nous serons sages au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Verset 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Pensez-y. J'amasse les choses de ce monde et vous oubliez les choses de votre âme. Est-ce que vous travaillez pour du vent et le vent va souffler et emporter tout ce qui est la seule chose stable, c'est votre âme et les âmes des gens à qui vous prêchez, afin que les âmes, que le vent qui souffle n'emporte pas votre âme. Jérémie chapitre 17 verset 11. Jérémie 17 verset 11. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Si vous êtes pour des richesses et des gains matériels, après vous allez commencer par faire des magouilles, vous allez commencer par faire des gains malhonnêtes, même vos amis, les gens si proches de vous. Mais c'est dit qu'au milieu de ces jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Je ne serai pas insensé. Il y a de soi-disant pasteurs, ils prennent l'argent de l'église et ils font des affaires avec cela. Ils vont dire que lorsque j'aurai fait des bénéfices, des profits, est-ce que vous avez demandé la permission à Dieu, l'argent qui doit être dépensé pour gagner des âmes et aider les gens à aller au ciel, bâtir des vies? Est-ce que vous avez demandé la permission auprès de Dieu que je prendrai ton argent, je vais en faire un commerce et lorsque je ferai des gains, je t'amènerai le capital? L'homme finalement meurt et tout et l'abandonne tout comme un insensé. Je ne serai pas un insensé. En tant que pasteur, je ne serai pas insensé. En tant qu'ouvrier, je ne serai pas insensé. En tant que ministre, je ne serai pas insensé. Vous voyez, il y a des gens qui sont très intelligents et des gens très astucieux qui visent à ceci, à cela. Et finalement, et ils se perdent. Vous ne serez pas perdus. Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Je lis verset 27.
Daniel 5, verset 27. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Belshazzar n'a pas pensé qu'il y a un Dieu dans les cieux qui pèse toute action et tout événement, un Dieu qui pèse toute cérémonie et toute décision. Et maintenant, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 30. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Il est allé à l'éternité sans être préparé. Nous serons préparés. Vous serez prêts. Proverbe 11, verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Allons à Luc. Luc 9, verset 25. Luc 9, nous lisons le verset 25. Verset 25 qui dit, « Et que sert-il ? Et que servirait-il ? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? » Lorsque nous lisons cela, parfois on pense à un homme quelque part là-bas, on pense à un homme là-bas, mais maintenant, lisez cela comme si Christ s'adresse à vous en particulier. Et que servirait-il à toi? Et que servirait-il à toi, tel frère, telle sœur, de gagner tout le monde et que tu te détruises ou que tu te perds toi-même? Le gain du monde entier ne suffit pas pour accorder le salut à votre âme. S'il y a quelque chose à garder, ce doit être votre âme. La chose la plus importante pour vous. Je prie que le Seigneur vous rende sage, me rende sage, nous rende sage au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, c'est la prudence de sa poursuite passionnante. La prudence de sa poursuite passionnante. Quelle était la poursuite passionnante de Christ? Retournons à Luc. Allons plutôt à Luc 19, verset 10. Luc 19, nous lisons le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'était sa poursuite. C'était sa poursuite passionnante. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous rappelez bien le temps où les gens le cherchaient et voudraient faire de lui un roi. Et il s'est enfui d'eux. Vous rappelez bien, lorsque Pilate lui parlait, et il a dit, « Es-tu donc un roi ?» Et que oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, mes serviteurs combattront. Vous rappelez bien, lorsque Satan est venu lui dire, « Que prosterne-toi à moi et je te donnerai toute la gloire du royaume de ce monde. » Il lui a dit, « arrière de moi, Satan. » Alors, il n'allait pas sinon commercialiser ce qu'il avait dans le monde. Alors, c'est sa poursuite. Alors, nous aurons la poursuite du Seigneur. Nous allons à Ésaïe 50. Ésaïe 50. Nous lisons le verset 7. Ésaïe 50, verset 7 dit, « Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru.
C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Si vous ne décidez pas, si vous ne réglez pas votre esprit comme vous réglez un réveil matin, et pour dire que voici le pourquoi je suis dans le monde, c'est ce que je vais faire dans le monde, et je ne serai pas distrait, je ne serai pas dévié de gauche à droite. Si vous ne faites pas cela, vous serez distrait. Mais Jésus ici a rendu son visage semblable à un caillou, et ce qu'il est venu faire, il n'y a rien, il n'y a personne qui puisse le dévier, personne ne vous déviera. Nous allons à Luc chapitre 9. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Alors il allait prendre le salut du monde entier. C'était dans son esprit, et il a rendu son visage comme un caillou pour cela. C'est ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Il veut que notre affection, que notre attention, que notre but, que notre pensée, que tout ce que nous avons, ce que nous avons dans le monde, que nous ayons les sentiments de Christ. Je prie que ce soir, le Seigneur donne plus de cela à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 2. Philippiens 2, je lis le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous savez pourquoi les gens ont des querelles, je veux ce bien matériel et il me bloque, je veux cette position, il me barre le passage, je veux cette propriété et il m'empêche, je veux la femme là et lui ne veut pas, je veux l'homme là et c'est elle qui me barre là, le passage. C'est pourquoi les gens luttent. Mais lorsque vous fixez votre pensée sur le salut des gens que le Seigneur vous a donné, n'allez pas chercher ce qui va causer une compétition ou une rivalité avec quelqu'un. Donc, vous avez les sentiments de Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui sont uniquement pour le salut des âmes, les sentiments en moi, qui me font rendre comme un caillou, que je ne serai pas distrait, que ces sentiments soient en vous. Lorsque les sentiments-là sont en vous, vous aurez son désir de passion, vous aurez sa poursuite passionnante. On va à Jérémie 45, verset 5. Nous lisons le verset 5. Voyons ce qui est dit ici au verset 5. Jérémie 45, verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Pas pour le salut. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Aie des sentiments de Christ. Sois volontaire à abandonner tout pour le salut des hommes, pour le salut des âmes, et mettez vos sentiments, votre
désires sur le salut des âmes et toi rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin. Je te donnerai ton âme pour butin dans tous les lieux où tu iras. Nous aurons les sentiments de Christ. La plus grande poursuite, c'est quoi? C'est le salut de votre propre âme. Votre plus grande poursuite pour tout faire, que quelle que soit une autre chose que vous cherchez, quelle que soit tout ce que vous voulez avoir, quelle que soit une toute autre chose que vous voulez posséder, que vous n'oubliez pas le salut de votre âme. Je veux avoir ceci. Et si cela ne m'empêche pas de garder mon salut, ma fermeté, ma sécurité, mon ciel, mon titre à la gloire du ciel, votre plus grande poursuite, c'est le salut de votre âme. Votre plus grande priorité après votre salut, c'est de chercher à sauver les pécheurs. Votre priorité, pas les affaires. Cherchez à sauver les pécheurs, votre priorité, pas de l'argent, pas la politique, pas la réputation, pas la prospérité. Votre plus grande prospérité, c'est de chercher à sauver les âmes. Votre plus grande passion, et c'est la fermeté des âmes sauvées. Les gens sont sauvés au travers de vous. Les gens sont nés de vous au travers de vous. Les gens sont venus dans le royaume à travers vous. Vous avez dépensé tout l'argent que vous avez, tous les biens matériels que vous avez, tout le temps que vous avez, tous les efforts que vous avez pour les affermir dans le Seigneur en tant que des âmes sauvées. Numéro 4, votre plus grande personne, votre plus grande présentation, c'est le salut des saints. Les gens sont sauvés. Non seulement vous êtes dans la religion, vous prêchez, vous n'êtes pas seulement dans le ministère, mais vous voulez présenter à Christ, à son arrivée, des âmes sanctifiées. Votre plus grande promesse, la promesse que vous avez reçue du Seigneur, il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu pour vous donner ceci et cela, vous donner cela. Mais votre plus grande promesse, c'est la saturation du Saint-Esprit. Vous êtes saturé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus grand que l'argent, c'est plus grand que la prospérité, plus que toute autre chose, plus que la santé, plus que tout ce à quoi on pense sur la terre. Votre plus grande promesse, c'est la saturation du Saint-Esprit. Votre plus grand privilège, quel privilège que vous avez en vous, travaillez ici, faites ci, faites cela. Votre plus grand service, votre plus grand privilège, c'est le service au Seigneur. Dit que fais-moi ceci, je suis mort pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Et c'est le plus grand privilège, le plus grand honneur, la plus grande opportunité. Et c'est le plus grand privilège, c'est le service au Seigneur. La plus grande prophétie, votre plus grande prophétie, c'est de briller comme des étoiles à perpétuité. Il y a des gens qui disent que j'ai cette prophétie, j'attends son accomplissement. La plus grande prophétie que vous ayez, c'est que vous brillez à perpétuité. Vous brillez comme des étoiles dans le royaume de Dieu. Daniel chapitre 12, Daniel 12 verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est la plus grande prophétie que vous ayez. Je prie que vous soyez sages. Que ce message ne soit pas comme le message qu'on écoute toujours. Gloire à Dieu, on a quoi entendu le message? Gloire à Dieu, je connais ce verset-là. Ceci, que ceci pénètre votre cœur. Que ce message
préoccupe, que ceci occupe votre âme, vous transforme et que vous priez, que quelque chose de défini soit fait dans votre cœur et que vous abandonnez les choses mondaines de ce monde et plus qu'auparavant, que vous pensiez à votre âme, que vous pensiez à l'âme de votre âme, que vous pensiez à l'âme de votre mari, à l'âme de vos enfants, à l'âme de vos amis, à l'âme de vos voisins et à l'âme des pécheurs autour de nous. Alors que sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Soyez sage et que votre âme soit importante à vos yeux, comme c'est important devant Dieu, et que vous ne jetez, vous n'abandonniez pas votre âme dans la mer de Satan a amené en enfer au nom de Jésus. Le ciel est mon but. Pour moi-même, le ciel est mon but. Pour ma femme, le ciel est mon but. Pour mon mari, le ciel est mon but. Vous ne dites pas cela. Pour mon mari, le ciel est mon but. Pour mes enfants, le ciel est mon but. Pour les voisins autour de moi, le ciel est mon but. Tenez-vous debout maintenant et fixez votre cœur sur cela, que vous ne permettiez à rien, à personne, à aucune position, à aucun bien, à aucune chose dans le monde de vous ravir le salut de votre âme et le salut des autres, le salut des âmes aux autres. Alors, ouvrez votre bouche aujourd'hui et priez le Seigneur disant, Seigneur, que les sentiments de Christ soient les miens.